Bonjour, vous êtes bien TV à Nouvelle. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Robert Lepage. Robert Lepage est un metteur en scène, comédien, scénographe, dramaturge, né le 12 décembre 1957. Dès ses débuts, il démontre clairement l'approche intellectuelle, expérimentale, multilinguistique et multimédia qui ont depuis bâti sa réputation internationale. Alors, voici Monsieur Robert Lepage. Bonjour, Madame Justine. Bonjour, Monsieur. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Où avez-vous étudié? J'ai étudié à le Conservatoire d'art dramatique. Et qui vous a le plus influencé? J'ai été très influencée par Jacques Lessard, où je vais travailler avec lui. Il est le directeur associé du Théâtre Peur. Je deviens rapidement le... Donc vous venez vite le comédien principal et metteur en scène. Oui, exactement. La trilogie des dragons séduit plusieurs pays. Quel pays ou ville principalement? Montréal, Ottawa, Toronto, Paris et Londres. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre une autre de vos pièces très très populaires? La face cachée de la lune. La face cachée de la lune. La face cachée de la lune est de deux frères qui saillissent. Ils sont deux opposés. Un s'appelle André, il est gay, extravagant, et il essaie de refaire son baccalauréat pour la deuxième fois pour montrer l'importance de l'Odyssée. Philippe, il est au moins dans ses quarantaines. Il est un reporter de la météo. Et ils accomplissent toujours des échecs. Les deux garçons vont venir de plus en plus proches à cause de la NASA et la Russie qui font une compétition pour savoir ça va être qui le premier qui va toucher la Lune. Et c'est va être là où les deux frères vont avoir là un symbole d'amitié. Et vous êtes le premier nord-américain, canadien, à avoir fait 5 pièces de théâtre de Shakespeare en français, en japonais. En 1994, et c'est où principalement, où est-ce que vous les avez fait? Le National Theater, à Molnich, le Royal National Theater à Londres, le Royal Dramatic Theater à Scotland. Vous êtes né Duplessis a cessé de régner, donc Duplessis est mort. Est-ce que vous pensez que ça vous a avantagé? Oui, ça m'a avantagé beaucoup parce que si Duplessis serait encore vivant, je n'aurais pas pu écrire des livres. Ils n'auront pas laissé imprimer des livres. Et s'ils voyaient que c'était un livre qui contestait à la foi catholique, il pouvait le brûler. Alors, c'était un grand avantage pour moi de naître quand Duplessis est mort. Parce que c'est à ce moment-là que des grands théâtristes ou créateurs de théâtre français qui sont nés, comme Jacques Lessard. Merci beaucoup, monsieur Robert Lepage. Ça fait plaisir, Madame Justine.